Patrice de Mac Mahon a servi comme le troisième président de la République française entre mai 1873 et janvier 1879. Il était auparavant un maréchal de France, donc il a eu deux carrières, une carrière militaire et une carrière politique. La famille Mac Mahon est d'origine irlandaise, réfugiée en France avec Jacques le II Stuart lors de la glorieuse révolution d'Angleterre en 1689 et se réclamant de la descendance des anciens rois d'Irlande. Il est né en juin 1808 au château de Sully, à Saône-et-Loire, près d'Autun, et il est mort en octobre 1893, donc à l'âge de 85 ans, au château de la Forêt, à Montcresson, Loiret. Il a servi aussi comme le gouverneur général d'Algérie entre septembre 1864 et juillet 1870. Il a aussi été un sénateur du Second Empire entre 1856 et 1870. Il était dans ses pensées un monarchiste. Donc, il a supporté une présidence forte afin de réduire le pouvoir du gouvernement et du Parlement français. Porté par sa popularité, il est élu président de la République par la majorité royaliste de l'époque, après la chute d'Adolphe Thiers en mai 1873. Après avoir limogé le président du Conseil Jules Dufort, il l'a remplacé par le duc Albert de Broglie, un monarchiste, projetant ainsi une restauration de la monarchie. Mais l'échec de cette restauration l'a conduit à voter le septennat présidentiel. Cette décision a fait monter le cours de des emprunts publics à la Bourse de Paris. Il a assisté aux procédures qui, en janvier et février 1875, aboutissent ou ont abouti aux lois fondamentales qui ont établi finalement la République, la Troisième République, comme le gouvernement légal de la France. Mac Mahon s'est estimé responsable devant le pays plus que devant la Chambre, ce qui a amené des conflits avec cette dernière. Après les élections législatives françaises de 1876, qui ont été remportées par une majorité républicaine, il a consenti avec réticence à la formation du gouvernement Dufort le troisième, Dufort le quatrième et Jules Simon, dominé par les républicains. Quand les mandements épiscopaux des évêques de Poitiers, Nîmes et Nevers, recommandant à la sympathie du gouvernement français le cas du pape captif Pie le 9, sont suivis d'une résolution de la Chambre proposée par la gauche et demandant au gouvernement de réprimer les manifestations ultramontanistes en mai 1877, Mac Mahon, 12 jours plus tard, le 16 mai 1877,
a demandé à Jules Simon de démissionner comme le premier ministre français. Il a constitué un gouvernement conservateur sous la direction du duc de Broglie. Il a convaincu le Sénat de dissoudre la Chambre, ce qui était nécessaire selon la constitution de la Troisième République française. Alors, le président français n'avait pas un droit absolu de dissolution comme il l'a pendant sous la Cinquième République. Et il a fait un voyage à travers la France pour assurer le succès des conservateurs aux élections, tout en protestant qu'il n'a pas désiré renverser la République. Et c'est ce qu'on a appelé le coup du 16 mai. Cependant, les élections suivantes d'octobre ont donné à la gauche une majorité de 120 sièges et le ministère de Broglie a démissionné en novembre. Le président McMahon a été forcé de nommer Dufort comme le nouveau premier ministre à la tête d'un gouvernement de gauche. Aux élections sénatoriales françaises du janvier 1879, la gauche a triomphé et donc McMahon a décidé de démissionner le 30 janvier 1879.